performance de Iris Brosch va très loin dans la mémoire, dans le sens que ça évoque des statues à partir de celles d'Aphrodite dans la culture grecque, mais aussi dans les sculptures en Inde, des déesses qui se présentent comme une opulence de féminité, non, à partir de la pluralité des seins, voilà, tout ce qui est, représente la féminité est multiplié par le fait que vraiment c'est le signifier même de quelque chose, d'une déesse, quelque chose de mythique, c'est vraiment de souligner quelque chose que l'homme sent très fortement. D'Iris Brosch s'est actualisé absolument. Toutes ces références, disons, classiques, qui vont très loin dans l'anthropologie, même du temps ancien jusqu'à la modernité, de l'actualiser dans le sens que ce sont des choses très sensibles, vraiment sensibles dans le sens vraiment des sens. Voilà. Il y a une tactilité, il y a une visualité, il y a tous les termes, tous les sens sont stimulés. C'est une représentation sûrement de la fertilité, parce que c'est vraiment les déesses de la fertilité sont vraiment celles qui présentent voilà, toutes les qualités de la reproduction multipliées. Mais aussi, et ça se croise avec l'érotisme, avec le désir. Voilà. Alors, c'est un œil voilà, qui regarde ces choses avec un surplus culturel. Je me suis inspirée avec Fiora, qu'est-ce qu'on fait. Et alors, on a créé des costumes avec plein de dessins, parce que le dessin, c'est quelque chose de très bien. Ça nourrit déjà, non? Ça donne la vie aux enfants. Alors, on a réfléchi ensemble sur l'idée des vieux déesses qui existent de 25 000 années avant Jésus-Christ, où on a worship plus la femme, le pouvoir de la femme, la sexualité de la femme, les poitrines, le vagin, tout ce qui est féminin, l'esprit féminin était plus valorisé qu'aujourd'hui. Avant, le sexe féminin était représenté partout. Maintenant, il y a des grands tabous, on ne peut pas montrer des sexes. Le sexe est toujours caché de la femme. Pour un homme, c'est quelque chose qui sort du corps. Pour la femme, le sexe, c'est le centre du corps. C'est pour ça qu'en japonais, pour dire centre. On a envie justement de toucher ces formes. Alors, ce n'est pas seulement visuel, ce sont aussi les autres sens qui entrent en discussion, qui sont stimulés par cette rencontre qui soudainement se trouve voilà, dans des jardins de Venise, inattendu totalement. Voilà. On crée tout, on peut créer l'enfer comme on peut créer le paradis. Alors c'est un peu comme une œuvre d'art en fait, que tout est éphémère quelque part, ça vient et on passe et il y a un moment qui est très beau et après il faut vraiment savoir apprécier ce moment parce qu'après ça va partir en toute façon.